Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Tortius, retour pour un nouvel épisode avec les États-Unis communistes. Précédemment, comme vous pouvez le voir, on avait fini la guerre contre le Canada. Excusez-moi un instant, je vais vérifier un truc. Non, c'est bon. On avait achevé la guerre contre le Canada et les Confédérés. Donc les Confédérés, on leur a botté le derrière. Et on a créé un petit vassal, enfin, un peu... Pas un peupette, est-ce que c'est même pas mon peupette. Un petit état sud-américain qui est un peu à notre botte, on va dire. Enfin, on est copains avec eux, la Nouvelle-Afrique. Et on a libéré le Québec. Qui est socialiste avec David Côté, le célèbre David Côté que personne ne connaît. Et maintenant, nous sommes toujours en guerre pour le Commonwealth. Donc notre but, on va faire deux buts. Premier, c'est de débarquer à Hawaï, prendre contrôle des îles Hawaï, et puis ensuite, on va faire un saut de puce, probablement vers cette région-là. Oh, parfait, on est en plus en guerre contre les armes néerlandaises. C'est parfait, on va pouvoir bouffer petit à petit. On va pouvoir bouffer jusqu'à l'Australie. Enfin, c'est ça notre but sur le terme. Pour l'instant, notre premier but, ça va être de sécuriser... Oh, les Anglais qui ont une révolte aux Bermudes. C'est tellement ridicule. Un débarquement là-bas, ça sera envisageable quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarquer aux Bahamas. Et ensuite, on prend les îles une par une. Hop là, on prend on prend contrôle du Panama, canal de Panama, avec Balbao. Comme ça, on occupe l'Amérique latine. Donc déjà, enfin, on occupe le canal de Panama. Donc l'Anglais, il doit passer par les Falklands. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse passer par là. Ah, si, on peut passer peut-être. Voilà, on casse déjà les pieds au Commonwealth. Et pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir d'avion. Bon, on va envoyer un petit corps d'armée à l'attaque. Hop là. On va envoyer les sous-marins en première ligne aux Bahamas. Alors, où sont mes bombardiers navaux? Parce que mes navaux, j'en ai besoin. Ils sont à Philadelphie. Pourquoi je les ai foutus là-bas? Tant pis. Ils peuvent aller qu'à 1500 km concrètes. Ok, bah je peux même pas poser de base. Bon, on va les poser à Corpus Christi. J'ai pas beaucoup de navires. Ah, si. On va faire un petit tour de ce côté-là, histoire de sécuriser le terrain. Là, si on réussit notre débarquement aux Bahamas, on a une bonne base navale. Allez, les gars. S'il vous plaît, ne dites pas qu'il y a des troupes anglaises qui traînent ou un truc du genre. Ah, rien. Oh, la nouvelle Afrique qui a déjà des troupes. Intéressant. Join the fight. Oh oui. La Thaïlande qui entre en guerre contre la Chine. Étonnant que la Chine ne s'est pas liée à la Thaïlande. Y'a personne. Mais qui sont débiles. Ils ont rien mis. Oh là 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 là. Vous savez ce que ça veut dire? 3 jours. Bon. Alors, les sous-marins, vous allez traîner du côté du Panama, voir ce qui se passe. J'ai dit là, mais merci quand même. Hein. Ah d'accord, je peux pas aller au pied du canal. Intéressant. Pourtant, ça fait pas 9000 km, si. Bah 3000, je comprends pas. Bon. Y'a rien. Y'a rien. Eh, faut qu'on prenne. Oui, c'est bon, on arrive. Regardez nos premières troupes qui vont arriver. On va ensuite faire un petit saut de parrain. On va voir si on peut libérer les Bahamas. Ce serait trop drôle, là. La République des Bahamas ou un truc du genre. Y'a personne. C'est débile, ils ont rien laissé. Hop. Débarquement dans la tronche. Par contre, le seul souci, c'est que je vais pas avoir de port. Naval base. 3, on va en faire 3. Ouais, les naval bases, ça va être un cauchemar, ça. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait... Ah, voilà, c'est bon. Ça y est, j'espère que ça va vite se dépêcher. Allez, hop. Les marines... Enfin, les marines sont, on va dire, nos premières troupes navales en route. Je pense qu'au même moment, on va peut-être tenter un débarquement également du côté... Il n'y a pas de... Ah bah oui, j'ai beaucoup de TP, c'est vrai. J'ai pas de TP par ici? Non, j'ai pas de TP. Ah mince. Ah. Petit souci, là, j'avais pas des TP à l'ouest. Saint-Louis, ils sont en train de débarquer. Ah mince, j'ai pas de TP à l'ouest. Ah, fais suer. Oh, le fail. Ah, bah si, il y a des TP à... Bah, ils sont à San Diego. Bah oui, Corik. T'as le débile. Je mets les marines à San Diego. Bon. On va emmener ces 3 divs là. Et avoir l'honneur de débarquer. Et regardez ça, y'a personne. Bon, je vois bien.
Voilà, 15 juin. Dans 2 jours, on occupe les Bahamas. Ok, il n'y a pas de nom de ville. Il n'y a pas un genre port machin ou... Bims! Les Bahamas sont à nous. On va voir ce qu'il y a là. On amène une première base de TAC, enfin de TAC NAVO. Ouais bah justement, tu te redéploies ici, espèce de débile. Bah, les sous-malins, tu crois qu'ils savent à quoi? Excusez-moi, je peux plus m'empêcher de faire la blague. Attends, il fait quoi, lui? Non, tu restes là. Attends, il a cru quoi, le mec? Et qu'il a cru faire un débarquement surprise à côté. Bon. C'est bon, on a du supply pour l'instant. Alors, c'est quand qu'ils sont prêts à repartir? Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de troupes au Panama. Bon, là, les pilotes. Hop. Parfait. Alors, vous allez me faire un petit nettoyage en règle. Ça se trouve, il n'y a rien à y avoir. Tu sais, je vais me sentir con, il ne va même pas y avoir un truc de débarquement dans le coin. Allez, les gars, là, tu nettoies. Là, je veux qu'il n'y ait plus un pilote anglais dans le coin. On va faire un truc, on va même faire 2 groupes. Comme ça, toi, tu bombardes. Ici, voilà, il a tout compris. Ce génie du mal. Bon, ok, là, je peux pas voir. Bon, on va aller traîner un peu dans les Antilles, hein. Magnifique. Bon, là, on va bétonner le coin. On prend une 2e troupe. On va voir qui va être le troufion qui va avoir l'honneur de diriger cette troupe. Y'a rien. Dans le Commonwealth, ils m'auraient quand même pas oublié. C'est les mecs, ils ont même plus de troupes pour m'attaquer. Ah, MDR. Bon, en même temps, j'ai dû quand même bien faire mal au Commonwealth. Hop là. On va nommer un mec. Major Gérard Hunter. On va mettre un soviétique, tiens. On va avoir un commando soviétique. Étant la mobilisation, l'armée rouge continue. Ok, ça a pas l'air d'aller trop mal. Mais incroyable, y a rien. Mais oui, je crois que ça, les mecs, ils m'ont complètement zappé. C'est merveilleux. Là, on passe au large Guantanamo. Voilà, Massive Invasion, voilà, on est prêt à débarquer en Amérique latine s'il faut. Tactique du D-Day, pas tout de suite. Ah, ça, on va pouvoir étendre de 1000 km. 1000 km ou 1000 miles, vous pensez? Non, ça doit être des miles. Y'a rien. Mais c'est sérieux? Mais attends, mais ça va être... Allez, hop, les transports. Oh, bah ça, les transports, ça va faire du bien. Voilà, 312 transports. Bon, j'ai rien pour protéger, c'est pas grave. Les mecs, il n'y a rien pour les protéger. Il y a mon petit sous-marin qui passe. Oh, il n'y a personne derrière. Non, tout va bien. Voilà, s'ils ont l'idée de m'attaquer, il n'y a rien. C'est désespérant de voir qu'il n'y a rien pour m'attaquer. Allez, faites qu'il n'y a rien à Bilbao, parce que sinon je vais être dégoûté. Bah, pourquoi je peux pas débarquer à Bilbao? C'est sérieux? Je peux... Il n'y a pas de port à Bilbao. Oh non, il n'y a pas de port à Bilbao. Je vous déteste. Cordialement. Y a pas de port à Bilbao. Vous y croyez, ça? Est-ce que tu y crois? Bon, on va faire un truc plus simple, on va faire des paras. Voilà, hop. Je suis en train de flinguer ma ligne logistique pour faire tout et n'importe quoi. Allez, hop. J'ai pas des bombardiers ou un... Parce que bon, c'est un peu ridicule, ça, je peux... Putain, les mecs, là, ils doivent être en train de se dire, les gars, on a un problème, on peut débarquer. Pourquoi? Y a pas de port. Oh, que Dieu nous protège. On peut libérer un pays. Non, on peut toujours pas libérer de pays. On va libérer les Antilles, vous allez voir. Bon. Eh ben, ok, on va commencer le... On va commencer la petite pacification. La pacification. Bon, bah, très bien. Je peux pas débarquer parce qu'il y a pas de... Il y a pas de truc pour débarquer à Panama. Mais c'est d'un troll, quand même. Bah, si, tu peux débarquer, là. Espèce de débile, là, il y a un... Mec, il peut pas débarquer ce coup-ci. Mais pourquoi? Voilà, tu débarques ici. Hop. On y va. Ah d'accord, je dois débarquer en face, mais ça a aucun sens en fait, mais bon. Ok, lui, il peut pas voir ce qu'il y a, bah tant pis, on va retourner à la base, à savoir Corpus Christi. Hop, on y va, on va préparer le débarquement. The débarquement. Hop, donc on va aller stabiliser à KU point, Kamachin point. On va y toute notre flotte, ça va être l'offensive suicide. C'est la moitié de la flotte qui passe, c'est pas grave. Non, alors il me faudrait le truc de débarquement. Bah ils sont où? Ah, ils sont là, parfait. Bon, là je pense que le Commonwealth il va peut-être être un peu plus réactif quand même. Hein. C'est bon, là on va pouvoir débarquer. Hop, là on y va. Tout ce que j'ai en navire, parfait.
Bon, Jamaïque, on est en train de se préparer à débarquer. Un petit souci là. Ok. Y'a rien. C'est étonnant, le colonel, s'il tente même pas un truc pour me contre-attaquer. Voilà, on a toujours plus de transport, c'est bien. C'est très bien, mais bon. Allez, rien. Y'a rien, mais c'est magnifique. Oh, attendez, on peut même faire. Ouais, je serais tenté. Ok. Oh, on a le USS San Francisco qui est à portée de main. Je suis assez silencieux là pour l'instant parce que je stresse un peu, voyez-vous. Allez, pas la flotte du Commonwealth qui me tombe dessus. Est-ce que j'ai rien pour les stopper? Allez, maniez-vous! J'ai jamais vu des mecs aussi lents que ça. Parfait. Alors. Bah, comment ça, t'es... Oh non, il peut pas débarquer parce que c'est trop loin. Mais c'est quoi ce troll? Oh, c'est un peu foutage de gueule, mais ok. Oh mince, je peux pas débarquer, fais suer. Bon bah ok, tous mes plans qui tombent à l'eau en l'espace de 2 minutes, c'est parfait. Bon bah, on retourne à la maison les gars. Bon, et bah ok, va falloir attendre que mes débiles aient un peu plus de tech. Parfait. Enfin, pas parfait, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fout? Et l'autre qui est en train de repartir, il est passé où? Toi, tu vas te rebase là-bas, parce que tu m'agaces un peu. Faire n'importe quoi. Bon, ok, alors. Les deux opérations sont des fiascos. Bon, ce fiasco, parce qu'on est en train de déterminer une tête de pont, je peux libérer la Jamaïque. Oh oui, on peut libérer la Jamaïque communiste. Qu'un peu de chance, ils vont nous faire une milice pourrie 1975, ou... Enfin, 1975, ce serait beau, mais ils vont me faire une milice pourrie de je sais pas quelle année. Pour l'instant, ça se passe bien. L'IA, l'anglais ne m'attaque pas. À ma grande surprise. Je m'attendais à ce que je me fasse couler des transports au large du Commonwealth, c'est tout. Enfin, par le Commonwealth, c'est tout. Mais visiblement, le Commonwealth, il n'en a rien à faire. Hein. Je suis en train de lui péter son territoire, mais c'est pas grave. Alors, Deep Preparation Organization. Ok, bah on va faire Tropical. Parce que là, je suis un peu en train de me battre en terrain tropical. Putain, vous rendez compte, Hawaï évite le débarquement juste parce que mes mecs, ils sont pas assez proches. Si vous y croyez à ce foutage de gueule. Oh, ils sont qu'à 4%, je vous déteste. Vous êtes chiants, les gars. Bah, pour l'instant, mais celui-là, tu trouves rien. Je comprends pas l'IA, là. L'IA, elle peut tenter n'importe quoi. Et en plus, je suis trop loin pour leur balancer une petite bombe à la tronche, hein. Faudrait que je construise une base aérienne en Jamaïque, mais bon, quel intérêt de... Il y a Cuba à côté, Je pourrais aussi débarquer en Amérique latine hein, et mettre un peu le bazar, envahir un petit pays démocrate. Un pays démocratiquement élu, mais ce serait pas très pertinent. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Parce que l'autre là, le Mexicain, il est presque sur le point de s'allier à nous. Regardez. Si on regarde, on est à 6%. Et il y a un petit truc assez marrant, regardez. Là, mon ministre, il est bon, mais si je mets ce Tchad qui est John Reed, il est toujours vivant, étonnant. On va mettre John Reed, comme ça, hop, John Reed, pouf. Bon, on se prend 1% de 17, mais bon, la fameuse disette. Bon, ça fait rien pour l'instant, mais c'est pas grave. Allez, Mexicain, une petite entrée en guerre avec moi, ça ne peut que faire du bien. Ensemble, nous allons dominer le monde. Oh, bon, pas pour l'instant, ok, très bien. On va essayer de créer notre petite alliance de notre coin. Bon, pour l'instant, avec mes pupettes, mais... J'aime trop la conférence des États-Unis avec leurs pupettes. Enfin, leurs alliés, en fait, c'est tous leurs pupettes. Oui, maître, camarade. Bon, allez, toi, t'es sûr tu veux pas t'allier avec moi? T'es sûr? Bah, rien influence, bah, j'espère bien. Bon, j'ai peut-être un peu d'Insta, enfin, pas d'Insta, mais de belligérance. C'est peut-être le fait que j'ai un peu foutu la merde à l'international. Ah, parfait. Eh ben, on y retourne, hop. Bon, là, il faut qu'on explique pourquoi le mec il veut pas. Bon, bah. Ah, il doit aller là, mais. Moi, je m'allie toujours de là où se trouve la flotte. Enfin, bon. On va prendre les îles Caïmans et tout ça. Hop là, le Québec. On va avoir notre petite amitié avec le Québec. Ok, on donne des techs à l'autre. Bon, bah, si ça peut lui servir, hein. Allez, hop. Voilà. Les îles Caïmans, il n'y a rien. Avec un peu de chance, on va avoir. Vous savez, l'île Ernest Allemann, comme ce qu'avait fait la RDA, leur petite île un peu pourrie. Île qui est d'ailleurs encore revendiquée, il y a même une guerre entre la République de Bolsia, un espèce d'état autoproclamé avec justement la République, je crois que c'est une de ces îles-là.
Et hop, on y retourne. Boum. Aircraft assembly line. Parfait. Bah, on va voir nos paras plus vite que prévu. Hop, là, on va faire ça. Ça, je me sens vraiment bête. Je peux même pas débarquer en Amérique. C'est quand même con, hein. Je peux imaginer. Imagine, je peux pas débarquer parce qu'il y a un petit souci. Oh mince. Excusez-moi, pendant un instant, je croyais que le 18% d'Insta. Mais bonsoir, il me déteste déjà, incroyable. J'ai à peine d'arriver. Vous pourriez au moins attendre qu'on s'entende un peu, les gars. Bon, effectivement, je suis un peu communiste. Et les gars, je vais vous apporter l'égalité. Qu'est-ce que vous prenez pas? Bon, on va attendre un peu, ça se révolte. Déjà, on matraque les rebelles, est-ce qu'il n'y a pas de raison? Bon, visiblement, les Anglais, ils ont pas l'air de se bouger, alors on va aller voir ce qu'il y a du côté... De ce côté-là. Non, il est étonnant que l'Anglais, il ait même pas tenté un débarquement. Enfin bon, il n'avait rien tenté. Je dis ça, on va tomber sur la flotte britannique. Bonjour, c'est le Commonwealth. Allez, même pas une petite troupe qui occupe les îles. Y a rien. Bah vous savez, hein, moi je vais pas me gêner, hein, si je peux. Ah, en plus il y a Georgetown pas loin. On va faire un petit tour au large de ce coin-là. Et hop, on débarque. Banzai. Enfin, hurrah. Je plains. L'anglais là, il est en train d'avoir des rapports alarmants. Nous avons perdu les îles. Ah oui. Oh, quelle triste nouvelle. Et c'est bon, on a déjà pris, ça y est, on a pris les îles. Ah, c'est peut-être pour ça que je peux pas libérer les Bahamas. Bah non. D'accord, donc il y a des îles, je vais même pas pouvoir les libérer. On va occuper les Antilles, vous allez voir, on va tout débarquer, hop. Y a rien. Mais c'est magnifique. Comme on a, il n'a même pas pensé à amener de troupes. Bon bah ok, hein, si le mec il abandonne... Bon, en même temps, je pense que comme on a, il va être sacrément dans la mouise, hein, vu la situation que je lui mets. Bon allez, on va débarquer à... Ah, je peux pas. Ah mince. Ah mince, je peux pas. Bon bah... Ok, bah on va faire un saut de puce. Sérieux, c'est trop loin. Oh là là, bon. Je peux pas me redéployer autre part. Non, ok. Donc je peux pas faire de débarquement, là, vous allez me dire. Ok, bon bah... Ok, bah on rentre à la maison, les gars. Allez, hop. Boum. Bon, bah, tant pis, hein, on a fait ce qu'on pouvait. Bon bah, on va attendre. Je ferais quand même chaud pour envoyer un ou deux pays sud-américains, histoire d'être sûr, hein. Non, y a rien. Étonnant. Je suis surpris que l'IA n'ait pas de troupe à ce niveau-là. Bah, ok. Bon, on va voir le premier saut de par, voir le saut de para-américain. Vous avez les fameux para-américains. Bon, bah, on rentre. On va aussi en profiter pour faire des bases aériennes. Hop, quatre petites bases aériennes là-haut. Ah, attendez, si ça se dépêche bien, on va peut-être bientôt avoir nos premières troupes de Marines et tout ça. Bon. Hong Kong est de retour sous l'occupation chinoise. Ah, ça va créer des petits soucis. Alors non, ça c'était dans les avions. Parce qu'on est en train de tout moderniser à une vitesse. Les transport planes, non pas tout de suite. Bon ben voilà, et voilà, pacification des Antilles en 2 semaines, voilà. On a juste pris 4 îles et c'est tout, voilà. C'est un fiasco, ok très bien, bah autant pour moi. Putain, je suis dégoûté de pas pouvoir débarquer sur ces petites îles là, regardez-moi ça. Bon en même temps j'ai pas d'île à des kilomètres à la ronde, hein, c'est... Alors si je construisais une base, ici, à tout, ouais à tout il y aurait peut-être du potentiel. Ah, attendez, à tout on peut débarquer sur Midway. Hep, 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 y a un petit truc à tenter là, les gens. On va tenter le coup. Oh bah non, faut que je débarque. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Au diable la logistique. On va tenter un petit raid depuis l'île d'Atou. C'est notre petit atou à nous. Pardon, voilà. Eh, hey. Hey, excusez-moi, faut que je vienne, que je fasse une blague ou deux. Eh, hey, il y en a qui vont me dire, t'aurais pas dû garder le nom de cette région de. L'Alaska, bah en attendant, regardez l'Alaska, ça me donne une bonne base d'attaque sur les Hawaï. T'es mecs, on va les envoyer se faire geler là-haut, et ensuite, bon bah vous allez débarquer dans le sud. D'accord. D'accord, monsieur, mais c'est complètement con comme ordre. Bon, voilà. Ouais. On va débarquer sur Midway, et ensuite, après on passe Midway... Ouais, Midway. Midway Wake. Ouais, on va vite débarquer. Oh là là, oh là, le chinois qui avance bien. Putain, la Birmanie qui est en train de tomber sous contrôle. Le soviet qui est aux portes d'Ankara et qui est même en train de libérer le Moyen-Orient. Le français qui se prend des insurrections dans la tronche.
En Afrique. En Afrique, le français est en train de botter le derrière de l'anglais. Incroyable. On a un petit encerclement même. Ouais, le Commonwealth, ça se passe pas si bien que ça, en fait. Pas de troupes canadiennes pour l'instant. Non, mais mes petits amis canadiens, ça se passe bien. On réprime le dissent et tout. Ah, je me prends des pertes. Comment ça, Atou? Bah, vous êtes censé avoir du ravito sur Atou, bande de débiles. Ils ont même pas... Alors, c'est où ça, Dillingham? Ce qui me donne un nom, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les envoyer à Dillingham, en fait. Ah bah oui, mais bon, si ton ravitaillement est à Dillingham, mec, c'est du suicide. Putain, c'est débile, je te jure. Parce qu'en plus, j'ai pas le choix de mettre à Dillingham. Mais vous vous foutez de moi? Mais quelle bande de débiles! Évidemment que les mecs qui meurent de faim, ils mettent du ravito à Dillingham. Mais ça a aucun sens! Ah si, c'est bon, ils en ont! Non mais attends, les mecs, il y a Anchorage, avec un port. Non, on va le mettre dans la base paumée à côté. Mais évidemment que ça va pas marcher. Putain, cette IA, je te jure. L'IA qui a des idées pourries, alors là, je pensais pas que ce soit possible. Pourquoi vous riez, chef? Je sais pas, je prépare un plan diabolique. Du type, on va débarquer. Est-ce que j'ai fait des paras? Je sais même plus si j'ai des paras, en fait. C'est une catastrophe, je prévois des plans, mais j'ai rien à faire. Bon. On va faire une unité de parade dans ce cas. Là, t'as la ligne de prod, ils sont tous les jours, ils reviennent avec des ordres. Ordre du comité central, maintenant vous faites une unité de parade. Mais ok, mais pourquoi? Oh non! Ah non, c'est bon. Tout va bien. Excusez-moi, j'ai un peu paniqué sur le coup. Bon, on va faire une petite opération... De surprise. Hop, on prépare le débarquement. On y retourne. Voilà, là il va pouvoir débarquer ce débile. Ah, incroyable. Bon, on y va. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une petite flotte du Commonwealth qui traîne. Bon là, normalement, les Anglais, ils ont d'autres chats à fouetter que de m'attaquer, putain. Bon, après, le seul souci, c'est dès que je vais débarquer là, le Commonwealth va me regarder, mais qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour? Y'a rien? Mais il est vraiment débile. Cet anglais, je l'aime, mais il est débile à la fois. C'est pas logique, tu laisses pas tes bases aériennes vides comme ça. Bon, allez, on va ramener un petit escadrille de 4 à tout, voilà, comme ça. 1er septembre. Ah oui! T'as, en une journée, les mecs sont déjà arrivés, incroyable. Bon. Et je suis surpris par le fait que l'IA ne m'attaque pas. Enfin, je vais pas m'en plaindre. Est-ce que si l'IA m'attaquait, là, je serais en PLS pour 100 ans. Là, normalement, il me voit, là. Là, c'est... Je veux bien qu'il y ait quelques presbytes dans l'armée britannique, mais quand même... Bon, allez, hop. Non, loupé. Bon. On retente. Midway. Je pensais que Midway, j'aurais galéré. Je pensais prendre Midway plus facilement que ça, en fait. C'est la bataille de Midway. Non. Ah, le congrès nation. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ici, et vous vous redéployez à Midway. C'est pas compliqué. Voilà. Vous êtes pas bien à Midway? Vous êtes pas bien ici? C'est beau. On vient de prendre Midway. Je viens de prendre Midway sans aucune résistance. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un officier qui s'est dit... T'inquiète, ça passe. Enfin, t'inquiète, ça passe, on va pas avoir de soucis. Oh, le japonais, attends, t'as pas d'autre chat à fouetter que de me casser les pieds. Bon, on va se reposer un peu. Faut aussi que je prépare le cas où... Ah! Les néerlandais qui commencent à me taper sur les nerfs à Wellington, Bahamas. Ben voyons, l'IA s'est réveillée, tiens. Alors, il m'a cassé un convoi où? Par ici. Bah, tu devrais le trouver, là, le mec. Ah d'accord, on n'arrive pas à les trouver visiblement, bon. Ok, bon bah on va attendre un peu. J'ai pas des destroyers à lui envoyer à la figure. Non, c'est pas ce que je veux. Non, un destroyer ça va être un peu limite. Deux destroyers, bah allez. Vous allez me faire une petite patrouille au large là. Je vais donner carrière, mais bon. Hop, tu vas me faire... Comment c'est?
anti-sous-marin pour voir s'il n'y en a pas un ou deux qui traînent. Hop. Tu t'arrêtes à ça et tu... ta mission dure un an. Allez, hop. T'as du sous-marin à couler, mon grand, maintenant. Alors, je voudrais bien avoir mes avions. Parfait. Ils sont à peu près reposés. On va faire du naval strike. Oh oui. Y'a rien. Hop. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas une troupe qui traîne. Un petit anglais qui traîne. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Y'a rien. Mais non, y'a rien. C'est beau. Ce que je vous dis. Il y a qui ne m'envoie rien. Bah, je vais pas m'en plaindre. On va tenter de débarquer en sur Pearl Harbor, vous savez quoi. Ah, trop loin encore. Incroyable. Bon, bah, allez, 4000. Non, mais attends, j'ai pas pris cette base pour me retrouver bloqué comme un con. Oh, bah, si, je me suis retrouvé que plein. Et voilà. C'est bon, j'ai une île, mais ça me sert à rien. Parfait. Oh, attendez. Le japonais qui est en train de faire une reconquête de la Corée. Magnifique. Ah oui, attendez, le japonais qui a même fait un super débarquement. Putain, le mec s'est pris une raclée, mais il est de retour. Hein. On n'emmerde pas l'empereur. Ah bah, je sais pourquoi ils peuvent pas. Ils sont encore ici. C'est débile. Voilà, hop. Alors là, d'un coup, pour débarquer, y a pas de problème. Ah bah oui, bah là, évidemment, ça va mieux. Bon. Pearl Harbor, à l'attaque. Et d'ailleurs, la flotte, vous l'accompagnez parce que j'ai pas confiance. Est-ce qu'ils peuvent aller jusque là? Oui, bah, eux, y a pas de problème, hein. Tant qu'il y a le fuel, tout va bien. Et hop. On va aller faire une petite surprise à nos chers amis hawaïens. Aloha. Y'a rien. Bon, là, parfait, j'ai mes strats. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regardez-moi ces petites saletés, là. Trois sous-marins, en plus, hein. Eh ben, dites donc. Allez, en plus, il me fait bobo, hein, le salaud. Ah, bon, attendez, on est en train de lui couler ses subs. Ouais, allez. Les pertes sont acceptables. Voilà, 3 sous-marins coulés pour 150 soldats perdus. C'est un ratio que je ne veux pas avoir à faire souvent, mais bon, vu des pertes, c'est pas si mal. Y'a rien. Hop, on va faire un truc. Ouais, on va faire un soutien, on va soutenir depuis le débarquement. Allez les gars, là faut le faire. Personne. Mais c'est incroyable. La coalition nationaliste A et B, c'est les indépendantistes au pouvoir. Enfin, allez, hop. Mais y'a rien. La garde royale, putain, la garde royale, bande de débiles, va. J'ai pas un truc genre soutenir ou. Ah non, j'ai pas un truc. Ils peuvent pas bombarder. Oh, fais suer. Ah, voilà, bombardement côtier. Parfait. Tu me bombardes, Pearl Harbor. Hop. On va voir ce que ça a donné. Regardez-moi ça, ce petit débarquement. Surprise! Conklin's contre Clark. Bon, ça fait mal, parce qu'évidemment, il y a de la colline et tout. Au niveau point de victoire, c'est leur seul point de victoire, donc c'est parfait. En plus, il n'y a pas d'avion, mais c'est pas... Non, mais on écrase. Regardez-moi ça, les Marines. Enfin, c'est pas les Marines encore, mais... Oh oh, oh oh, il y a des avions. Ça sent pas bon du tout. Il y a des avions. Ça, on sait ce que ça veut dire. Qui sait qui va se prendre un petit avion dans la tronche? Eh ben, c'est Coric. Alors, où est-ce qu'ils ont pu amener une base? Parce que, attendez, s'ils ont une base navale... Parce que les gars, ils ont essayé de me débarquer dessus avec une... Ah bah oui, c'est Balbao, bah oui, je suis bête. Ils ont pu débarquer que de là. Allez, pas la flotte du Commonwealth. Et attendez, on est en train de l'écraser. Ça y est, ça passe. Oh oui, le massacre. Et donc... L'armée hawaïenne avec un des uniformes allemands, on aura tout vu. Ça, c'est le rêve humide. Allez, c'est bon, hop, Hawaï, passe à la trappe. Au revoir. Boum. Et en plus, on a pété leurs avions, des avions australiens. Ha ha. Et en plus, y'a rien. Mais c'est magnifique. Y'a pas de réaction de l'IA. Ok, bon, moi ça me va, hein. Hop. Et là, c'est parfait parce qu'on a une super base de ravitaillement. Même une très grosse base de ravitaillement. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Je viens de vous piquer une super base navale dans la tronche. Alors, lui, il faut le... Ok, lui, il faut demain matin. Ok. Voilà. Toi, tu te redéploies ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Je viens de vous piquer une petite base. On peut créer Hawaï communiste. Oh, c'est beau. On peut créer Hawaï communiste. Je suis tenté de le faire juste pour voir qui va être le gay débile à la tête du truc, mais bon.
Bon, là, on va stabiliser le truc. Est-ce que je veux pas perdre une petite île du coin? Alors, je peux pas déployer des trucs? Non, ok. Je peux pas déployer. Bon, bah, on va... Parce que moi, je veux bien envoyer... Ah bah ouais, attends, faut que j'envoie mes avions là. Bah ouais, envoyer mes avions ici. Le seul problème, j'ai peur qu'il y ait un débarquement. Et s'il y a un débarquement, je vais perdre mes avions. Donc, on va les envoyer ici. Ah, comment ça, j'ai pas de ravitaillement? Comment ça, j'ai pas de ravitaillement? Te fous pas de ma gueule. Attends, t'as une super ligne de ravitaillement. Les mecs, ils arrivent pas à avoir de ravitaillement à Pearl Harbor. Attends, il y a un petit souci quelque part, là. Il y a 400 trucs. Ah, ok, Santa Barbara, j'ai un petit souci. Bon, alors, s'il y a est débile comme ses pieds, on va pas être surpris. Hop. Ah, bah oui, y a pas de port. Oh là 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 là, ça va être un cauchemar, ça. Mec, y a pas de port. Bah, attends, y a pas une base aérienne, ici? Ah, bah si, y a une base aérienne, mais quelle bande de débiles, ils sont par dépêche sur la base aérienne. Ouais, bah, si j'oublie les bases aériennes, désolé, hein, mon espérance de vie va être courte sur ce jeu. Bon, alors, lui, toi, tu vas redéployer une thèse, qu'il n'y avait rien à faire ici, au final. Bon, alors. Au suivant. L'île de Jarvis. Ok, ça, c'est les Anglais. Île Christmas. Bon, ok, on va libérer les Hawaï. Hein. Allez, l'État communiste de... Non, de pas de la Jamaïque. De Hawaï, avec l'Union Jack dessus. Mais quelle espèce de débile je fais. Voilà. On aurait pu garder les îles, hein, mais bon, un petit peu pète dans le coin, ça fait paye pas de mine. Alors, ils ont quoi comme gouvernement? Ah, encore une ombre noire, Fujimoto et Noel Smith. Ah, c'est pas très hawaïen tout ça. Ah, si, il y a quelques noms. Ygram Steinbach, non, il n'y a pas beaucoup d'hawaïens dans le coin. Ah, aïe, 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 c'est pas très friendly tout ça. C'est pas très inclusivité, voyez-vous. Alors, par contre, si t'es mon pupette, tu dégages pas ma flotte comme ça, en fait. Mais quelle espèce de débile. De toute façon, tu peux que te déployer. Voilà, bah, vous vous redéployez dans la base. Bah, je te demande... Comment ça, tu veux pas te déployer, mais... Ok, alors, je sais pas ce que me fait l'IA. Attends, attends, est-ce que si je peux pas me redéployer, moi, je donne pas indépendance à Hawaï? Ah, bah, si, c'est bon. Ah, c'est tellement petit que tu fais un truc, c'est le bazar. Allez, au revoir. Hop, et bah voilà. Regardez-moi ça, on a les îles Hawaï avec nous. Qu'est-ce qui peut bien mal se passer? Et bah vous savez quoi, vu qu'on a un petit spot de débarquement, on va amener de la troupe. Ah ouais, je vois beaucoup de trucs en fait, bon. On va renvoyer, on va aller chercher un autre corps de débarquement. Et hop, tu vas là. Non, tu vas là-bas. Voilà. Bon, visiblement, les autres, là, ils ont l'air d'avoir compris la leçon, hein. On ne casse pas les pieds comme ça. Et voilà. Opération Aloha réussie. Je crois que c'était ça le nom de l'opération. Le mec, il donne des noms opérations, il s'en rappelle même plus. Je crois que c'était Opération Aloha qu'on avait donné. Oh bon, c'est pas grave. Alors, le Commonwealth n'a vraiment pas l'air déterminé à me casser la tronche. Parce que là, vous savez, à partir de maintenant qu'on a pris cette base, ce qu'on va faire, on va prendre Wek. Une fois qu'on a pris Wek... On n'est pas en guerre avec le japonais, donc ça va. Ouais, là, une fois qu'on prend Wake, on a une bonne base de protection. Parce que regarde ça, il n'y a pas d'autres bases anglaises. Wake. Ensuite, il faut que je trouve une base navale, une grosse base navale à prendre. Ah bah tiens, on en a une là. Pago Pago. Ouais. Il va falloir que j'en prenne. L'île Christmas. Est-ce qu'il y a l'île Pitcairn? Ah, il y a la Polynésie. Ah, on va faire peut-être un petit bond sur la Polynésie. Ouais, oh, le français encore aux portes de Moscou, mais c'est incroyable! Et les Anglais qui ont débarqué en Palestine. C'est une fâcheuse habitude des Anglais de débarquer dans Terre Sainte, mais bon. Bon, visiblement, l'autre, il a l'air d'avoir compris la leçon. Oh, le français qui me gâche mes Marines! C'est t'as vraiment rien d'autre à faire, toi, quand même, hein? Ok, je sais pas d'où sortait de cave, mais c'est pas grave. Il y a qui me dit que j'étais à la cave qui sort, ok, mais je m'en fous! C'est pas la cave à priorité, vois-tu? Toi, t'es presque arrivé. Oui, il est presque arrivé. On va aller rembarquer un petit corps à l'armée. Et ensuite, là, on y va. Hein. C'est débarquement partout. Enfin, on va essayer partout, mais à peu près partout. Je vais essayer de vérifier un truc. Donc là, si je tente de débarquer là... C'est vrai qu'il n'y a pas de port. Hein. Enfin, il y a un port, mais je peux pas débarquer. Faut faire un assaut para. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, hop,
On va pas envoyer les tanks, parce que je suis pas bête à ce moment-là. Si j'envoie mes tanks, les machins, ils vont se faire dégommer en moins de 2. 2. Et un truc à 4. 2. Et 2. Voilà. On a un petit corps de débarquement. Tu sens que l'équipage, il a pas trop envie de rester là. On peut rentrer aux États-Unis là où on est peinard. En plus, j'ai même pas d'attaque navale. Si au moins les Anglais, ils me coulaient des trucs de débarquement. Moi, c'est bien, mais il y a rien. Alors, s'il se passe rien, moi je débarque. Pour l'instant, Midway tient. Enfin, Midway tient, c'est un gros mot, est-ce qu'il se passe rien? Si au moins je pouvais débarquer ici, ça m'irait très bien, mais. Malheureusement, je n'ai pas de base navale. Alors, les bases, ça s'en est où? 23 octobre, ok. On pose une base navale ici, et ensuite on fait un saut, ensuite on bouffe les Caraïbes. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Allez, encore plus de transport. L'armée rouge se répare. Elle se répare difficilement. Parce que bon, l'autre là, il est en train de me bouffer le soviet. Si je perds le soviet, je vais être un peu salé, vous savez. Ah, attendez, transport de troupes. Allez, on a notre première division blindée aérienne qui se prépare. 600 km. Mais c'est de la merde. Oh, attends, qu'est-ce qu'il fait là, l'anglais? C'est quoi cette histoire, l'anglais qui est à Belize? Ouais, bah, je peux faire la parachuter, ils sont marrants, eux. Ces bandouilles. Oh, merde! Mais Solex doit être en train de crever là-dedans. Bon, bah, on y va, hein. Allez, hop, on va tenter un débarquement de ce côté. Et depuis quand Belize, ça appartient à l'anglais? Attends, ils sont pas en guerre contre quelqu'un d'autre? Parce que s'ils sont en guerre contre... Contre trois personnes à la fois, mais je me demande si je suis pas en train d'envoyer mes mecs à la mort d'une manière complètement stupide, mais bon, on va voir, hein. Je trouve qu'il n'y a rien, mais je trouve ça quand même assez louche qu'il n'y ait pas de troupes. Allez, hop, on va pouvoir enfin poser des bases navales, parfait. Alors, on va en poser une ici, voilà, on va en même poser deux, comme ça, qualité sera au rendez-vous. Alors, je sais pas ce qu'a essayé de faire l'anglais. Mais vu ce que je vais lui mettre, ça va être complètement stupide. Ok. L'IA, je sais vraiment... L'IA, j'ai pas compris. Si quelqu'un sait ce que l'IA a voulu faire... Alors, si quelqu'un essaie de comprendre la dimension artistique de l'IA, moi, je veux bien comprendre. Ok, on y retourne. Hop, on va envoyer une div. Ok, ben, faut que tu ailles. Faut que tu embarques, en fait. Hop, parfait. Alors, Wake. Où est l'île des Wake? Oh, bah, tu peux l'atteindre, là. 4000 km, c'est si loin que ça. Oh, mais c'est... 4000 km, je peux pas y arriver. Ah si, attendez, là, il y a des bases dans le sud, on peut les atteindre. Parfait. Alors, faudrait que je trouve un truc. 5000, c'est pas bon. 4300, 4600, ok, très bien. Le jeu m'envoie bien celui cordialement. Y a pas une grosse base? Ah, Tarawa. Hop, Tarawa, on va aller débarquer là-dessus. 2 novembre. Et l'autre, si je l'envoie en même temps. Est-ce que faudrait pas que je perde ma flotte en même temps? 29 octobre, ils vont complètement aller en première ligne, c'est débile. Bon, tant pis. Et hop, Belize qui est tombé entre nos mains. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la logique de l'IA, mais c'est pas grave. Ok, donc lui, visiblement, il est moins content. Bon, en même temps, c'est peut-être un peu normal. Hein. Je suis peut-être en train d'envahir des pays un peu partout dans le monde. Bon bah, Belize, ça va pas servir à grand chose, débarquement. Juste de montrer à l'IA que je peux lui prendre des villes, hein. Hop, bah là on va aller se redéployer là-bas. Si on prend Tarawa, là on peut encore faire plus mal. Parce que là, Tarawa, on commence vraiment à s'approcher de la Nouvelle-Calédonie et tout ça. Mais à tous les coups, il va y avoir une flotte que j'ai pas vu venir. C'est moi ou il y a des indépendantistes élus partout? Allez, y'a rien! Mais il est débile! Mais je commence à me demander si elle n'est pas buggée, en fait. Il y a qui n'a rien trouvé de génial pour me stopper. Alors moi, je veux bien, mais bon, il y a un moment où l'IA va falloir qu'elle se remette en question. Écoutez, monsieur IA, il va falloir vous remettre en question, parce que c'est inacceptable, cette attitude de ne pas vouloir tenter le tout pour le tout. Bon, on va se redéployer là-bas. Hop. Alors, étonnant, vraiment étonnant de la part du Commonwealth, qui n'y est...
Oh, on met une grosse base. Oh, c'est le débile qui arrive pas à se ravitailler, je suis sûr. Oui, c'est ça, c'est le débile qui a pas de ravitaillement. Oh là là, je te jure d'avoir des débiles pareils. Johnstone. C'est ça, Johnstone. Ah bah oui, j'ai redéployé un endroit où il n'y a pas de pétrole, évidemment. Bon bah... J'en déploie là-bas. Putain, si l'autre, il arrive même pas à avoir suffisamment de ravitaillement, on est mort. Bah, c'est ça, c'est vraiment que... Il n'a pas de convoi, ou un truc encore plus débile. Il n'a rien. Simplement. Allez hop, Tarawa qui va tomber. Prends Tarawa. Et c'est parfait. Tarawa avec une petite base aérienne. Hop. Je ne comprends pas l'IA, franchement, mais on va pas s'en plaindre. Et voilà! Y'a personne! Qu'est-ce que vous en dites? Bon, toi, tu vas te redéployer à Tarawa. Pour l'instant, ravitaillement, ça a l'air d'aller. Mais lignes logistiques qui tiennent? Ah bah là, on met les bouchées doubles. Hein. Là, y a pas de mecs qui tiennent dans l'état-major. C'est à mes mecs de logistique doivent être en train de se tirer une balle en pleine tête. Camarade, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de surpeupler. Te. Je veux du ravitaillement, tu m'enfiles. Ok. Alors. Non, c'est pas eux que je cherche, mais merci. À Moï. Ok, je les ai redéployés à côté. Et visiblement, là, cette fois-ci, il y a des ravitaillements. Bon, on va se déployer à Tarawa. S'il n'y a personne, franchement, on tente le coup. Bon, bah, ok, alors on va commencer à taper un peu. Je peux taper jusqu'à où? Hey! Ah non, trop loin. Je suis dégoûté. Il n'y a pas une base aérienne à frapper? Quelque chose? Oh, attendez, il y a un petit truc là. Non, c'est pas une grosse base. Il n'y a pas de... Je suis à la recherche d'ennemis. Vous le sentez, l'epic fail? Vous le sentez, le Koryk qui cherche désespérément des gens à descendre, mais qu'il n'y a personne? Là, ça devient vraiment ridicule, quoi. Ah, ils ont fini? Comment ça faisait? Ah bah oui, vous mardiez, les mecs, vous mardiez quoi? Ils ne mardaient plus rien. Ils ont fini leur mission, mes petits destroyers. Ok, les destroyers qui continuent à taper de l'anglish. Moi, ça me va, hein. Hop, bon, on y retourne. Cette fois-ci, je peux aller jusqu'à... Ah, on peut carrément à taper de... Bah, y'a rien, en fait, en base. Bon, allez, on va faire une petite opération de puce. Hop, allez, hop. On va débarquer, on va aller leur casser la figure à ces Anglais. Ça va être un peu chiant, je vais pas vous mentir, là, ça va juste être du débarquement tranquille. Je peux même pas faire de saut de para sur les Anglais, alors bon. Ah, j'ai pas vu! Ah, les salauds! Ah, je l'ai vu, là, le transport, là! Ah, le petit transport en... Ok, ils ont repris les Bermudes. Ok, ça va pas être très marrant. Ok, les vacances sont finies, visiblement. On va aller faire un petit tour avec notre flotte, voir ce qu'il en est. Hop. Ça se trouve, on va tomber sur la flotte du Commonwealth, au secours. Ah! Ah, bonjour! Ah, des troupes, des transports 36! Avec tout le ravitaillement. Oh, ils sont tous morts. Allez, au revoir. Attends, là, faut que mes bombardiers, là, ils fassent quelque chose. Là tu les as vus. As-tu vu les Anglais en fuite? Attends, là, tu peux pas les avoir loupés, mec. Ils sont juste sous ton nez. Ils ont réussi à disparaître. Mais non, mais comment t'as pu les louper? Bon, ok, très bien. Ok, Koryk, c'est pas grave. Dommage. L'IAC avait commencé un sacré petit coup par surprise. On va pas dire que c'était chiant, mais que c'était inattendu. Ok, bon bah on y retourne, hop. Là on va faire le ménage, hein. Les Antilles, ça a tombé sous notre contrôle. Le bolchevisme va s'installer dans les Antilles. Alors je sais pas trop ce qu'on va... Je sais pas trop ce qu'on va collectiviser dans les Antilles, hein, mais bon, bah... On va essayer, hein, vous savez quoi? Écoutez, on va collectiviser les bananes et les ananas et tous les fruits possibles dans la région. Pas grave, il va falloir que je m'arrête de toute façon. Bon bah... Ok, les Anglais qui ont fait un petit débarquement surprise, mais il n'y a rien. Non mais mec, les Bermudes, faites un effort, quoi. Y a rien aux Bermudes. Non mais c'est pas possible. Mec, ils ont rien aux Bermudes. Bon, on va les brader aux Bermudes, hein. Tant si les mecs, ils ont... Eh, là, moi, je veux pas être chiant contre l'IA, mais si elle fait même pas l'effort de mettre de la troupe, moi, j'y peux rien, là. Mince. Ah!
Problème de zoomer trop vite, c'est que tu ne vois plus rien. Parfait. Alors, toi, on va faire un corps, un double corps de bateau. 1, 2, 3. Et on va envoyer une div. Parce que je pense une div, ça suffit pour sécuriser les îles. De toute façon, c'est surtout de la sécurisation, j'ai besoin de beaucoup. Bah, allez, on va aller à Wake. Ah, ah si, c'est bon. On peut atteindre Wake. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est mes... Ah bah, attends, je suis bête, c'est mes destroyers qui me... qui m'empêchent d'aller loin, c'est ça. Mais oui, c'est ça, mais c'est mes débiles de destroyers. Bon, j'en ai besoin, mais ils sont gentils, hein, mais ils sont complètement... Ils sont inutiles, hein. Pas se mentir. Bon, on va tenter... Petite opération de bombardement strat... Enfin, un bombardement dans la région. On peut... On... Et si on se mettait à couler leur... Si on se mettait à couler, comment c'est le nom de ce truc? On va bombarder des convois, tiens. Allez, hop. Ça va passer le temps à mes pilotes. J'ai aucun culot, je vais me mettre à leur péter des trucs. Bon, après, il faut encore trouver des trucs, hein. Ok, alors là, c'est pas bon. Ce débarquement que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre contrôle des Antilles une par une. Petit peu, petit. Bon, moi, j'attends de pouvoir libérer les Antilles socialistes. Je sais qu'on peut libérer les Indes. Les Indes ou un truc du genre. Bon, allez, on y retourne, hein. Tavoroshilov, il va passer tout son temps à sécuriser les îles. Ça va être très chiant. Vous savez, c'est, faut le faire. Bon, attends, on va prendre Trinidad. Peut-être qu'en prenant Trinidad, ça va peut-être trigger l'IA. Parce que je crois que c'est Trinidad, la capitale des Antilles, ou un truc du genre. Ah, non. Oh, pendant ce temps, j'ai cru qu'il y avait de la troupe. J'allais faire, ah, ah, non. Y'a rien. Voilà. On va commencer à avoir de la bonne vision dans le coin. Et voilà, on passe à côté de Midway qui est sécurisé. On va faire un débarquement à Wake. Parfait. C'est l'anglais, il va se réveiller. J'aurais bouffé la moitié. Je serai devant Londres. Je crois qu'on est en guerre. Ah bon? Ah bon? Quelle surprise. Nous sommes en train de bouffer votre pays. Non. Si, monsieur, je suis en train de bouffer ce qu'il y a de votre satané Commonwealth. Mais bon, c'est pas grave. Il paraît que vous avez d'autres soucis en ce moment avec les Allemands, les Chinois. Bon. On a été un peu... J'ai pas été lâche d'avoir déclaré guerre, c'est l'autre qui a rejoint le... Il me désespère franchement à rien mettre sur ses... Mais regardez ça! Base 4, 3 de Falk. De Flak. Y a de quoi défendre. Y a de quoi être heureux. Mais non, le mec il a rien mis. Ah bon, s'il veut, hein, mais je lui déconseille de faire ça. Bon bah on va renvoyer les trois bateaux là-bas. Maintenant que je sais que je peux débarquer au final. Hop. Bon pour l'instant ça se passe très bien. Je suis juste un peu dégoûté qu'il n'y ait rien pour tenter de me stopper. Voilà, il n'y a pas de plage, ok. Et voilà, on a pris Tobago. Là c'est bon, je peux libérer les Antilles. Ah voilà. Voilà, enfin un truc qui va m'être utile. Bon pas vraiment mais c'est pas grave. Voilà. Les Antilles. J'aurais peut-être pas dû libérer tout de suite en fait. Et merde. Pas grave. Bon bah voilà. Pas de gouvernement. Oh, pourtant des communistes dans les sur cette île, ces îles là, il y en a un paquet. Donc n'allez pas faire croire que c'est pas possible. Bon. Et voilà. Hop. On débarque. Et c'est reparti pour de superbes aventures. Les aventures du Commonwealth. Enfin, du Commonwealth socialiste. Hein. On va pas se le cacher. Alors il a quoi comme claim les West Indies? Non, c'est... Voilà, pour Puerto Rico, je pourrais même débarquer à Puerto Rico si je veux. Et voilà, on va lui donner des petits territoires à conquérir. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre avant de libérer Vicalabriti, je fais. Bon, c'est pas grave. Voilà, regardez, je suis pas si méchant que ça. La preuve, je libère les peuples. Ah mince, j'ai pas vu. 5 destroyers. Ah, le saligo, il essaye de me débarquer à la figure, l'autre. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. C'est même pas très sympa. Regarde ça, on est devant Wake, y'a rien. On va s'arrêter là. Donc, petit tour rapide. Ouais, bon, le chinois, la horde chinoise qui s'avance. Attendez, les anglais ont fait une percée dans le désert. Ok, là, c'est les indépendantistes, ok, indépendantistes de partout. Ankara est tombé, l'Empire Ottoman qui vit ses dernières heures, visiblement. Le français qui est aux portes de Moscou, c'est une tragédie. Tambov est tombé. Ah ouais. L'anglais, regardez l'utilité de l'anglais, il a débarqué dans la Baltique.
Et ce débile. Je l'aime, mais il est débile. Et ça, l'Allemagne libre qui va mourir. Mais non. La résistance allemande ne s'éteindra jamais. Bah si. C'est un peu de retard maintenant. Ouais, là, on va... Attendez, en plus, il y a d'autres îles là. Le néerlandais, il sera à poil. Le néerlandais va lui piquer tout son territoire. Comme ça, il ne restera plus que ses... son truc, la Batavia, qu'on va aller lui bouffer. Bon alors, mec, regarde, on est déjà un peu plus fréquentable. Tu veux... Eh, attendez, si on fait pas une non-agression. Copain. Oh, pourquoi tu veux pas? Je comprendrai jamais cette IA qui ne veut pas avoir affaire avec moi. Pourtant, je comprends pas, on est copains. Oh, voilà, on est en train de militariser l'Afrique. Vous savez, hein, s'ils veulent pas, on leur fait une opération spéciale dans la tronche et c'est pas grave. Ils avaient pas refusé. Personne ne refuse mes offres généreuses. Bon, bah j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.